Ce matin, on va rappeler la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, telle que nous le savons, car Rosh Hashanah, la mitzvah que nous donne la Torah, c'est de sonner le shofar. Et la Torah s'exprime à deux reprises, une fois dans Parashat Behar, et une fois dans Parashat Emor, et une fois dans Parashat Pinhas. Et une fois dans Parashat Behar à propos du Yovel. Je répète, deux fois elle s'exprime à propos de Rosh Hashanah, une fois dans Parashat Emor, et une fois dans Parashat Pinhas, et une troisième reprise, elle parle également de Teruah, de Shofar, mais cette fois-ci ce n'est pas à propos de Rosh Hashanah, c'est à propos du Kippour du Yovel. Kippour de la 50e année, l'année du jubilé. À l'époque du Beth Amikdash, on avait la mitzvah de sonner le shofar dans le Beth Amikdash, dans le Beth Din. Là-bas, le Sanhedrin allait sonner le shofar une fois tous les 50 ans, le jour de Kippour. Et c'est à ce moment-là qu'on allait sanctifier l'année qu'on appelle Yovel, Vekidashtem et Shenat HaChamishim. C'est à ce moment-là qu'allait être libéré tous les esclaves hébreux, Rével Ivri. C'est là qu'on allait restituer tous les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. Veshavtem Ishal Achuzato, Ve Ishal Mishparto Tachuru. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'année du Yovel s'appelle Yovel. Car Yovel fait allusion au shofar. Bimshocha Yovel Hemaya Alubahar. Le shofar s'appelle Yovel. Alors à Botaï, je répète, où est-ce que nous retrouvons les trois mots qui désigne la sonnerie du shofar le jour de Rosh Hashanah? Yom Teruah Yelachem, ça figure dans Parashat Pinhas. Zichron Teruah Mikra Kodesh, c'est dans Parashat Emor. Et la troisième fois, ça ne parle pas du tout de Rosh Hashanah, ça parle de Kippour, du Yovel. Ça, c'est dans Parashat Behar, où il est écrit Veha'avarta Shofar Teruah Bachodesh HaShevi'i. Alors maintenant, la question qui vous saute à l'esprit, quel rapport avec le Yovel? Nous, on parle de Rosh Hashanah, qui a lieu tous les ans, et on a parlé du mot Teruah qui figure dans la paracha du Yovel. Alors je voudrais expliquer et développer un petit peu le sujet, veuillez prêter attention. Premièrement, c'est que d'où on apprend la mitzvah de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah? Yom Teruah Ihyeh Lachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Le mot Teruah est précédé de Tkia et succédé de Tkia. La Tkia, c'est le son qui est long. Le son qui est long s'appelle Tkia. Et où est-ce que nous apprenons dans la Torah qu'il faut faire une Tkia? Parce qu'il y a écrit Veha avarta shofar teruah. Ta'aviru shofar bechol artzechem. Deux fois le verbe le avir, faire passer un son, c'est-à-dire un son long, qu'on appelle tekia. Et cette tekia doit avoir lieu avant la teruah et après la teruah. Mais maintenant, d'où sait-on qu'il y a trois teruah le jour de Rosh Hashanah? C'est parce que le mot Chodesh HaShevi'i, qui veut dire le septième mois, qui désigne le mois de Tishri, puisque nous, juifs, on a dans notre calendrier deux cycles, le cycle des années et le cycle des mois. Les années commencent à partir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, début de l'année, alors c'est Tishri. Mais le début du cycle des mois, c'est Nissan. Ha-Hodesh Hazelachem Rosh Chodashim, Rishonu Lachem Lechodshe Hashanah. Quand on parle des mois, on se réfère à Nissan. Quand on parle des années, on se réfère à Tishri. Nissan, si c'est le premier mois, qu'est-ce qu'il est, Tishri? C'est le septième mois. Voilà pourquoi la Torah va dire Bachodesh HaShevi'i. C'est le septième mois que vous allez sonner le shofar. Soit Rosh Hashanah, soit Kippour une fois tous les 50 ans, l'année du Yovel. Mais puisque le mot Teruah figure deux fois à propos de Rosh Hashanah, une fois dans Parashat Emor et une fois dans Parashat Pinhas, et le mot Teruah figure dans Parashat Behar à propos du Yovel, ça nous fait en tout trois fois le mot Teruah. Mais qui nous a permis de mélanger et d'associer, assembler la Teruah du Yovel
avec les deux terroirs de Rosh Hashanah. Mais quel rapport? Pour nous dire finalement qu'on doit sonner trois fois terroirs à Rosh Hashanah. C'est car, étant donné que la fête de Rosh Hashanah et le Kippour du Yovel, ça tombe le Chodesh HaShevi'i, le mois de Tishri qui s'appelle septième mois. Là, les Hachamim nous ont dit qu'il y a une Gzera Shava. Gzera Shava, c'est un des 13 codes de la Torah. Mon cher Rabbeinu nous a enseigné que parfois, il y a des mots communs qui figurent dans deux thèmes. C'est pour les assembler, c'est pour faire une connexion. C'est pour les relier et faire une analogie, parfois une analogie et parfois un assemblage. En l'occurrence, c'est un assemblage. On additionne le mot teruah du Yovel aux deux fois teruah de Rosh Hashanah. Ça nous fait trois fois teruah grâce au mot Chodesh HaShevi'i. Les lametra sheiyu kol teruot utkirot shel Chodesh HaShevi'i shavot. Les sonneries du septième mois, que ce soit Kippour du Yovel ou que ce soit Rosh Hashanah de chaque année, ça doit être shavé, pareil. Alors, tu dois les assembler. Teruah, teruah, teruah. Et puisqu'on a trois fois Teruah, maintenant grâce à la Gzera Shava de Chodesh HaShevi'i, et on a appris que la Torah écrit deux fois le verbe faire passer un son qu'on appelle Tekira, Ta'avir ou Shofar Bechol Artsechem, Ve'avar Ta Shofar Teruah, de là on apprend qu'il faut une Tekira avant, une Tekira après. Alors maintenant, récapitulons, on a trois fois le mot Teruah. C'est la mitzvah de sonner Teruah pendant Rosh Hashanah, ou pendant Kippour du Yovel à l'époque du Beth Amikdash. Et chaque teruah doit être précédé d'une tekira et suivi d'une tekira. Ça nous fait quoi en tout? La mitzvah. Tkia, trua, tkia. Tkia, trua, tkia. Tkia, trua, tkia. Donc normalement, d'après la Torah, qu'est-ce qu'on doit sonner le jour de Rosh Hashanah? Voilà les six sons. Les six sons. Tkia, trua, tkia. Pardon, neuf, excusez-moi, neuf. Neuf sons, qui a trois, qui a, qui a trois, qui a, trois fois, zéro. Trois fois trois, neuf. Comment est-ce qu'on est arrivé à 30 sons? Comment de neuf on est arrivé à 30 qui sont l'obligation thoraïque? La Gemara nous explique qu'à un moment donné, il y a eu à cause de la galoute un oubli. À cause de la galoute, il y a eu un safek. C'est quoi le safek? C'est de savoir comment traduire le mot teruah. Teruah, le Targum Onkelos traduit Yom Teruah Yelachem, Yom Yebaba Yehelechon. Je répète, Yom Yebava Yehelechon. Qu'est-ce que c'est qu'une Yebava ou Yevava? Yevava, c'est un gémissement, c'est un soupir, c'est des pleurs. Comme il est dit à propos de la mère de Sisra, Vateyabev M. Sisra. La mère de Sisra a gémi, a pleuré. Vous savez comment est-ce qu'un homme gémit quand il pleure? Au début, il y a ganouhe ganah. Et après, illoulé yalil. Au début, les sons sont saccadés. Et après, à la fin, il est essoufflé. Ce sont des sons hachés. Au début, des sons saccadés. Après, hachés. Les gémissements, au début des pleurs et à la fin des pleurs, ne sont pas les mêmes. Alors quand la Torah nous dit Yom Teruah, ce jour de sonnerie sera un jour de gémissement. La sonnerie doit ressembler au gémissement. Alors quel gémissement? Celui du début ou celui de la fin des pleurs ou les deux à la fois? Voilà comment on est arrivé à Tashrat, Tashat et Tarat. Le mot Teruah, quelle est sa traduction? On a dit gémissement, mais lequel? Du début ou de la fin ou les deux? Alors, puisqu'on a un safek, nous connaissons la règle. Safek de oraita la humra. On a un safek, on doit être mahmir. On doit être strict. Étant donné que ça peut être tashrat, tkia, shvarim trua, tkia. Shvarim trua, ça désigne la teruah. Dans le langage de la Torah, teruah, c'est ce que nous appelons shvarim teruah. C'est-à-dire faire les deux à la fois. Gémir au début et gémir à la fin, tel qu'un être humain le fait au début et à la fin des pleurs. Donc il faut Shevarim, trois sons saccadés, un, et après ça, tout. C'est les deux à la fois. C'est ça la teruah, c'est les deux gémissements. Tandis que
Les Hachamim ont dit que peut-être que non. Peut-être que la Torah fait allusion qu'au début du gémissement. Donc ces trois sons saccadés, ce que nous appelons Shevarim, des sons cassés. Shever, Shavur. Alors, trois Shevarim. C'est peut-être ça, le Shevarim, la teroua de la Torah. Et donc, on va faire trois fois. Tachat, tachat, tachat. Puisque la Torah nous a dit trois fois seulement. Alors, je ferai que trois fois. Tachrat, tachrat, tachrat. Ou tachat, tachat, tachat. Ou tarat, tarat, tarat. C'est ce qu'on appelle tekia, troa, tkia. Tkia, d'abord le son long, ensuite tout, 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 tout. Ces neuf sons qui sont hachés, c'est peut-être ça la teroua. Voilà pourquoi, dès qu'on va faire la bracha de l'ishmoa, kol, shofar, on va faire trois fois tachrat. Puisque la Torah m'a dit trois fois teroua. Et que chaque terroir, il est précédé et succédé d'un son qui est long, eh bien, je fais trois fois tachrat. Car c'est peut-être ça la mitzvah de la Torah. Peut-être que non. Peut-être que la mitzvah de la Torah, c'est tachat. Alors, je fais trois fois tachat. Peut-être que la mitzvah de la Torah, c'est tarat. Alors, je fais trois fois tarat. Trois fois tachrat, ça fait 12. Trois fois tachat, ça fait 9. Trois fois tarat, ça fait 9. 9 et 9, 18. 18 et 12, 30. Voilà les 30 sons du début. Qu'on fait lorsqu'on est avant Moussaf, en position assise. Chez nous, les Sfaradim, on s'assoit avant Moussaf pour ces Tkirot Shofar. Et on se lève pendant les Tkirot de Moussaf. Les Tkirot de Moussaf auront lieu après les Malchouyot, après les Zichronot et après les Shofarot. Et le Minhag est de faire comme nous disent les Mekoubalim, c'est qu'il y aura Tashrat, Tashat, Tarat, après Malchouyot, Tashrat, Tashat, Tarat, après Zichronot, Tashrat, Tashat, Tarat, après Shofarot. Et on fera idem, la même chose, dans la Hazara de Moussaf. Pas seulement dans la Tefilat Lahash, c'est-à-dire la Amida première à voix basse, mais même dans la Hazara du Shaliach Tzibur, on va refaire exactement pareil. Donc ça nous donne combien? En fait, ça nous fera encore 30 sons, 30 et 30. Et avec la Hazara, ça fera encore 30, ça fera 90. Et après la Hamida de Moussaf, on fera encore 10 sons. Comment? Tachrat, Tachat, Tarat. Tachrat, c'est 4. Tachat et Tarat, ça fait 6, ça fait 10. 90 et 10, 100. Et à la fin de la Hamida, pardon, à la fin de la Tfila totalement, on va faire 3 Agdola. Une Torah Gdola, une Torah qui est très longue, n'est-ce pas? Vous voyez d'ailleurs, il y a des gens sympathiques, c'est qu'ils enchaînent. Il y en a un qui a terminé sa Torah Gdola et l'autre qui enchaîne et tout de suite après. En tout cas, ça nous fait combien en tout? 101 sons. Mais Ave Echad, à quoi ça correspond? À la Gematria de Michael, la valeur numérique de l'ange Michael. Comment on écrit Michael? Même Yud, Raf, Aleph, Lamed, ça fait en tout 101. Même 40, Raf, 20, Yud, c'est 10. Aleph, 1, Lamed, 30, 101. Michael, Sar, Israël. Michael, c'est l'ange protecteur du peuple juif qui va au-devant d'Akadosh Baruch Hu et qui fait monter toutes ces sonneries du Ram Israël afin que, au travers de la sonnerie du Shofar, Akadosh Baruch Hu se lève du siège de la rigueur, du trône de la justice, pour s'installer sur le trône de la clémence et de la miséricorde. Allah Elohim bitroa Hashem bekol shofar. Elohim désigne la tribu de rigueur. Hashem, c'est la tribu de miséricorde. Grâce au Tkirot Shofar, aux 101 sonneries de ce jour-là, eh bien, en effet, Akadosh Baruch Hu se laisse séduire par la Tkirat Shofar du Ram Israël. Et c'est comme ça qu'il va les juger pour le bien, pour le bonheur, pour une nouvelle année chargée de bonnes nouvelles. Amen. Et surtout, Be'azrat Hashem, pas seulement une délivrance à chacun par rapport à ses besoins personnels, mais surtout la rédemption de l'ensemble du Ram Israël pour une Geoula Shlema Bimehera Bi'amen. Je voudrais juste rappeler que, à propos de la mitzvah de Tkirat Shofar,
C'est une mitzvah assez chazman gerama. C'est une obligation qui est temporelle. Étant donné que c'est qu'une fois par an, alors, de ce fait, les femmes n'ont pas l'obligation, minatora, d'écouter le shofar. Les, puisque c'est une mitzvah assez chazman gerama, tout de même, elles ont un grand mérite à écouter le shofar. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, vous voyez que toutes les dames viennent à la synagogue pour écouter le shofar. Ce n'est pas une obligation, mais si elles le font, c'est une mitzvah. Les Ashkenazes, d'ailleurs, font même la bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu lishmoa kol shofar. Le Rav Oved Yosef Zatzal dit que pour les séfarades, il ne faut pas qu'elles récitent la bénédiction de lishmoa kol shofar. Elles écoutent, mais sans bracha. Maintenant, une femme qui a des jeunes enfants, des enfants en bas âge qui peuvent perturber la prière, il ne faut surtout pas qu'elle les amène à la synagogue pour empêcher les adultes d'écouter convenablement. Alors il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui leur sonne à la maison, et juste, comme on a dit, les 30 sons. 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat, et c'est ça la mitzvah, c'est comme ça qu'elles peuvent s'acquitter. Et d'ailleurs, grâce à Dieu, nos frères Chabad vont d'un endroit à l'autre pour sonner le shofar. Et ici, dans la rue, vous voyez, vous entendez le shofar au milieu de la rue. Tous les immeubles qui sont autour ouvrent la fenêtre et toutes les dames sont à la fenêtre et elles écoutent et elles s'acquittent. Comme ça, elles ont fait la mitzvah d'écouter le son du shofar.